Nakanga motemati, mais pourquoi oso salanga ma paix? Yo lati sanga gilet par balle ya pirate. En kayali sa c'est déception nabikate. Et bembe nanga, gloire à nani loba. Malheur nanga, bonheur à nani teo. Déjà, on l'appelle le gouverneur de Warrior. Tout n'est pas en bébélé. Il n'est pas du tout seul. Bon, Panza, t'inquiète. Donc, Tom Simbiavanga, voilà, nous voyons la délégation camerounaise. Et Zakar est champion. Et champion parce qu'à Kinshasa, ils sont au nombre de 39 qui sont déjà arrivés. Bazolia, Bazo, Melana, Catalogue Plus, ils sont nombreux, mais faute de temps, Tokokyo soit Bangonion, surtout parce que le plateau ne nous permet pas de recevoir toute la délégation. Et je vous rappelle et confirme encore une fois qu'il n'y a pas que les Camerounais qui sont ici à Kinshasa. Nous avons vu les Nigériens venir, les Ivoiriens, pareil, les Gabonais, pareil. Banapotokutkolo, Bakoutouté, donc Brazzaville, Bakatisilelo. Fali Poupa, en termes de fortune, à côté Simbo, on a ambassade Nabiso. Ce qu'on m'a dit, c'est que c'est parce que ma délégation est. Trêve de parlotes, nous avons dit, Nanga Mignon, bonsoir. Bonsoir, Nana Boudouga, Catalogue Plus. Bonsoir, les amis, bonsoir, bonsoir. Voilà, on est ensemble. Hein. Nous allons un peu Kosolo Lamouke, Kandenge Zalaka. Question, vous voyez, ma motivation, Nabino. Mais déjà, avec Abraham, Nabanana, tout n'a eu bonne santé. Oui, santé, ça va. Ça va. Abraham, on dirait, vous avez un orchestre, n'a eu, hein? Non. Dans le bac, déjà au départ, je suis toujours avec le 10e bataillon. Mais en tant qu'artiste, je suis en train de soutenir Fally Poupa Aigle, en tant que l'artiste de mon pays, puis l'artiste du monde. Comprenez? Donc, motivation dans un mois. Mais ta façon de les soutenir, ça m'a cassé. Malgré te soutenir, mais dernièrement, tu bêtaquina. Ah, c'est bon, ok. Ouais, dernièrement, tu bêtaquina catalogue. Yes. Voilà, donc, et puis tu continues toujours bah répétition à Bisso. Il y a ma pas si tu vas comprendre en mais de toute façon, soutenir, il y a eu des extrêmes, sérieux. Ah, parce que tout le monde en marche. Il y a un bac qui est mais tout le monde en marche. Tout le monde en marche au Bimi, au Tamboli. Tout le monde en arrivé à Fally Poupa, à l'aéroport. Ok, on voit Fally Poupa, mais. Et ils ont un soutien aux alaras côte à côte. Non, parce que quand j'avais dit que les gens ont la médiocrité dans l'esprit, parce que Fally Poupa, Aza artiste na biso ya mboka et puis Aza artiste kaka ya Congo te. Bref, ané tout moni ba Camerounais. Bazali, oui ba 39 hier, mais Baza 39 te. Donc les lots délégation me souhaite. Il y a 70 personnes. Ok. Donc, il y a Camerounais, kaka. On a kaka Cameroun. Yes. Sans compter bah, Ivoirien et tout. Motivation, nanga Isaki d'abord, Fally Poupa, c'est d'abord, c'est un grand frère bien-aimé. Ok. Comprenez, c'est un grand frère bien-aimé. J'avais des problèmes dans mon moment au Boué, dans l'orchestre, dans Bisso, Wenge. Isaki, le seul artiste à tout le monde téléphone a appelé Papa Chéri pour moi. Donc d'autres personnes n'ont pas fait ça. Et pour moi, il faut la reconnaissance na oya selenga tant au sale comme mnene boui. En tant qu'artiste amboka nga il faut na soutenir à 1000%. Et cette flèche allée là, est-ce que retour est ça? Ouais, tu les sens? Mais c'est bien pour merci d'abord pour na aigle Fally Poupa na considération. Donc il y a pour eux ma considération et j'ai senti que être victime est un professionnalisme. Genre il y a ma camobili. Genre à papier, genre à ma camobili. Mais tu nous confirmes que tu n'as pas intégré les groupes les victimes, non, ça non? Non. Nazawana, en tant qu'artiste, il y a beaucoup de groupe Nangaï. Yes. On a intégré le groupe T. Nazawana. Lélo, tout le monde a vie belle, a soutenu Batumisus. Si on a Lélo, on a soutenu Fally Poupa, c'est le Congo qui gagne et c'est l'Afrique qui gagne. Donc c'est ça. Donc pour moi, c'est bien. Je sais que Batumisus est ça, au moins. Je sais que Bana Kimia est comme on est. Et le Gougou, c'est pont de l'homme des arguments solides. Gougou, c'est pont de l'homme des arguments solides. En tout cas, je vais revenir à toi. Nous allons faire parler nos amis ivoiriens. Nous sommes des Africains. C'est vraiment une famille. Yes. Camerounais plutôt, voilà. Camerounais. Oh, parce que hier j'étais avec l'Ivoirien qui s'est
Aminata. Voilà, ouais. Hein, Aminata, on a fait la ronde avec Aminata, voilà. Avec Abbas. Hein. En tout cas, bon séjour à Kin. C'est leur première fois aussi donc, ouais. D'être sur Kinshasa. À toi, on a Guérin Gattuso. Guérin Gattuso. C'est le nom de chez nous, hein, Gattuso. Voilà. Oui, c'est hein. Le nom. Guérin, bonsoir, enchanté. Bonsoir, Stan. Anna. Ok. Nous, au milieu, nous avons. Au milieu, nous avons Soso Hip Hops. Hein. Enchanté. Enchanté, maman. Et mon ami Stan. Yeah. Stan. Bonsoir et merci d'être venu. Bonsoir, Anna, merci. Alors, je vais prendre Soso Hip Hops. Déjà, Soso Hip Hops, pourquoi Hip Hops? Déjà, à la base. Pourquoi Hip Hops? Fally n'est pas de chez toi. Fally n'est pas de chez moi, mais avec tout l'amour que je lui portais, je me suis dit, bien, il a un très beau nom. Que j'aime d'ailleurs beaucoup. Okay, et je me suis dit que ça va bien m'aller aussi. Et beaucoup de Congolais aiment à me charrier avec mon surnom Soso parce que je comprends Lingala et je sais que c'est la poule. Okay. Ah, sauf bravo, que c'est mon surnom réellement parce que je me prénomme Sorel. Mm. Et chez nous au Cameroun, on abrège quand tu es Sonia, on dit Soso. Okay. Et j'ai mis Soso et j'ai mis Pops. Parce que je me suis dit qu'avec tout l'amour que j'ai pour lui, je veux être adoptée. Et c'est pour ça que je me suis soumise. Et cet amour pour lui a commencé quand? Parce que Fally Poupa a une carrière. Hein? Oui, ça a commencé en 2006 parce qu'avant sa carrière solo, je n'écoutais pas encore de la musique. J'étais encore toute petite pour apprécier la bonne musique. Ah, d'accord. Donc c'est depuis 2006 que cet amour a commencé. Bien, avant, ce n'était pas encore intensifié parce qu'il n'y avait pas encore des réseaux sociaux. Yes. C'est ces derniers temps où on a eu les réseaux sociaux. On a Instagram, on a TikTok, on a une pléthore de réseaux sociaux. Ça s'est intensifié et puis... C'est devenu ce que c'est aujourd'hui et puis je le suis partout. J'étais en Allemagne avec lui il y a un mois okay. Et je suis ici aujourd'hui à Kinshasa. Vous connaissez très bien, vous parlez très bien oui. Et vous sentez cet amour-là, cette flèche retour-là, cette considération-là. Justement, c'est pour ça que j'ai fait le déplacement de l'Allemagne pour Kinshasa parce que j'ai senti cet amour en retour. Alors, Gattuso, mon ami Gattuso, c'est depuis quand que vous avez commencé à soutenir Fally Poupa? Okay. Bonsoir déjà, rebonsoir déjà Anna et... Tout Kinshasa, vous savez. Ouais, yes. Et merci pour l'invitation. Yes. Je crois que c'est une preuve de considération et nous vous disons merci. Déjà, avant de répondre à votre question, j'ai envie de dire, on quitte de très loin du Cameroun pour venir ici. Parce que je me dis que le Cameroun et le Congo, c'est deux pays frères. Mm-hmm. C'est deux cultures qui se ressemblent. Tout sincèrement, je me sens comme chez moi. Tout à fait. Donc, s'il y avait un prénom d'adoption qu'on devait me donner, j'aurais choisi un volontaire. Donc, maintenant, pour reprendre à votre question, ça, c'est bien. J'ai envie de dire, je suis Monsieur Fally Poupa depuis très longtemps. Ça part depuis 2005, avant qu'il ne lance sa carrière solo. Mm-hmm. Il faisait des interventions très spécial. Donc, après ça, je suis tombé fan. Depuis qu'il était dans Quartier Latin. Merci. Depuis qu'il était dans Quartier Latin, je suis tombé fan. Et jusqu'à aujourd'hui, je me sens comme un privilégié d'être un warrior, d'être un vrai soldat. Et pour chuter, j'ai envie de dire, Fally Poupa, en un mot, c'est le Michael Jackson africain. Voilà. C'est l'enfant de Dieu, Mwana Nzambe, l'aigle. C'est Mwana Nzambe. Mais vous le dites pourquoi? Si vous devez nous le démontrer. S'il faille que je le démontre, j'ai envie de dire, trouvez-moi plutôt un argument qui va à l'encontre de M. Fally Poupa. Qu'est-ce qu'il ne fait pas bien? Fally Poupa sait tout faire. Mais là, vous parlez de l'Afrique. Il n'est pas le seul à faire du bien en Afrique. Je suis d'accord avec vous, sauf que il est le meilleur. C'est celui-là qui représente valablement le continent africain. Mm-hmm. Je crois que nous, Africains, devons unir toutes nos énergies pour le propulser le plus loin possible, pour que le monde entier puisse dire, voici le meilleur artiste du monde. Mais parce qu'il l'est. Voilà, parce qu'il l'est. Ça, c'est une réalité. Mais vous soutenez aussi vos artistes camerounais. Bien sûr. Ils ne sont pas jaloux? Ils ne sont pas jaloux parce qu'aucun artiste ne peut être jaloux de M. Fally Poupa. Aucun. C'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Alors, il approuve, c'est le meilleur, voilà. Alors, mon ami, tu es là depuis quelques jours déjà. Oui, depuis deux jours. Oui, rien que pour le stade de martyr, rien que pour montrer à Fally Poupa combien est-ce que vous l'aimez, combien est-ce que vous le soutenez. Ouais. Parce que vous aimez ses chansons, parce que vous l'aimez lui-même.
Vous avez tout dit en une phrase. Mm-hmm. J'aime Fally Ipupa depuis 16 ans aujourd'hui. Ok. Voilà. Mais un peu plus parce que j'ai connu Fally. C'est mon oncle, hein, Big Bata Tonton. Il sait qu'il me... il va peut-être me voir parce qu'il me suit sur Instagram. Ok. Lui, il était très fan de Kofi à l'époque. Yes. Et quand j'ai commencé à le suivre, parce que c'est mon modèle dans tout. Ok. Moi, j'ai plutôt détecté Fally dans le groupe qui dansait très bien. Yes. J'ai dit, tonton, ce gars-là, il danse bien et tout. Mm. Et puis, en grandissant, j'ai plutôt commencé à regarder les vidéos de Kofi pour voir Fally. Mm. Et donc, quand il a lancé sa carrière solo, j'ai été totalement conquis parce que j'ai assisté à son premier concert au Cameroun. Ok. En 2008, au cinéma Le Vaurie. Mm-hmm. Son déhanché, sa façon de danser, ça m'a conquis. Mm-hmm. Et depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, je suis Fally plus que tout le monde. Tous les artistes qui existent. En tout cas, voilà. Fally Ipupa vous fait chanter en lingala, ouais. Et ça vous pousse à découvrir cette belle langue aussi. Tout à fait. Bella Bussoir. Bon, ça, moi, extrêmement. Ah, ouais. Je reviens à vous. Alors, Mignon Abraham. Yes. Fally Ipupa Azana Kinshasa depuis mardi dernier. Tout le monde est bien ensemble. Anzima qui a côté Maki a s'est retiré. Musika place au montagnard, place au motéter, place au montagnard dérangé était, place au penza donc dans le bac est très 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 éloigné. Pendant au salle, débat, il s'est conférence de presse, répétition Moroboé, naba musicien naïwa naba outé déjà tournée américaine. Est-ce que Fally Ipupa, il fallait kaka kotamaki, oh bah répéter rawana, bah cohésion bah sala rawana, bon osa fallité, mais tout en tant qu'artiste, osa fallité, mais oh bah sala rawana bah pesar bah tenaba stade wana et kokaité, il fallait qu'à se réserver, mais à ton oui. avis. Mais oui, artiste nyonso, avant d'être à un grand concert et surtout pour le miroir vitrine il y a concert wana, il faut changer moins langue parce qu'à outre musique, on se vient de dire que Bazaki en Allemagne. Mm-hmm. Comprendre. Alors, concernant ce qu'on a identité, mais spectacle les a identité. Bah, il a voulu, normalement, un artiste au hasard a ébi ma caméra, ça l'a conscient. Professionnel, en professionnel. Il faut appeler sa public naé du nouveau. Bah, mon akaka pas du Fally qu'on connaissait avant, non. Mm-hmm. Bah, il faut aller bah mon a du nouveau. Il y a moi c'est un artiste à côté maki. Pour na makambo biso tozo kansaya obimisa au delà nango. Voilà. Alors depuis que tu t'es affiché Warrior, Petit Aigle, le gouverneur de Warrior et Mignon Abraham Ipupa, qu'est-ce que ça t'a ramené, qu'est-ce que ça t'a rajouté? Ouais, beaucoup de des ennemis. Ouais, c'est rien. Tu peux être mon ennemi, mais il faut bien le faire aussi. La musique aussi, il faut bien le faire. Mais quand tu m'aimes pas, quand tu n'aimes pas Fally Ipupa, bah Camerounais coûte bah Olinga Fally Ipupa. Les Camerounais aiment Fally Ipupa. Toute l'Afrique, c'est pas pour rien dans la chanson Naïmbi parti mon corps. Toutes ses actions sont déjà mémorables. Il nous a montré qu'il est champion de toutes catégories. On se rappellera des Fally Ipupa. La force qui va l'arrêter n'existe pas, c'est vrai. Atabaye Namindu Kimindu qui tous les Warriors dans l'attaque. Au point de faire une chanson. Voilà. Mmh. Pour montrer de quel point qu'on doit soutenir ces messieurs. Ces messieurs, Oyo, a valorisé l'Afrique. J'avais dit ici que le jour où Fally Ipupa va livrer un concert au Stade des Martyrs, on va voir des Ivoiriens, des Camerounais vont venir de partout. Gabonais sont là. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis devenu, comme on dit, un ganga. Comprenez? Mais voilà. La réalité est là. Mais moi, je l'ai vu faire déplacer vraiment les étrangers, ses frères. Ouais. Il y a à Bercy, parce que nous y étions en 2020. Ouais. Il y a eu vraiment une forte délégation, deux Africains, de nos frères africains, le suivre. Et ça c'est vraiment c'est une puissance, en fait. Pour Nabi, pour Nalilo, valeur. Moni, on a déjà Lilo. Ils ont valeur. Mon tour, on a fini dans les réseaux sociaux. Mais on a la valeur, Oyo. Parce que ne l'ouba Fally Ipupa na misia mouke pété. Vous comprenez, hein? Alors. Mais est-ce que c'est comme si on se sentait un esprit mauvais que le roi Wenge Matsanga à podium, le roi Wenge Betanga Karanga Pesiko Fona qui n'a pas dit mauvais. Non. Et Bimabongo. Loin de là. Le roi Zoara qui para Corona Wenge. Loin de là. Choc Wanobite Fona Kangamarana Fally. Loin de là. Fona Pena choqué. C'est depuis, peut-être aussi je peux na s'amuser. C'est depuis 2003. Je suis avec Fally. Je suis avec Fally. Pourquoi?
On a chanté pour d'autres artistes ici. Les gens ne râlaient pas. Ne parlent pas. Voilà. Mais pourquoi quand ça devient fali pour pas, il faut même un problème. C'est-à-dire Congo Nyonso, oh Nyonso, celui qui oh Yabi qui a la congolais, il faut soutenir Fali Poupa. Oh la télé na t-shirt, mais sérieux. Parce qu'on a aussi quoi, Moni Soso à la télé Warrior. Tu fais mal, mais voilà. Elle est les Warriors. Voilà, Warrior. Tu ne l'es pas. Warrior du Cameroun. Ah frère. Comme il t'encasse. C'est-à-dire les abois, ah ouais, les jaloux vont maigrir. Vous comprenez? C'est-à-dire ah ouais, les amas Kambuya, y a Kokana Mututi. Parce que nous sommes tous des Congolais. Venez nombreux demain, parce que la date Ezakaka Moko. Un seul rendez-vous, c'est demain. De là, pour soutenir Fali Poupa Aigle, Moana Moka, Moana Nzambi. Tu fais des émissions pour ce stade. Mais oui. Tu fais des émissions pour motiver. On doit les faire. On allait être beaucoup. Et puis, j'étais très content de voir Gez Mawete au carnaval, que je salue. Très content. Est-ce que ceux qui te soutenir, Congolais, les artistes congolais, te soutenir Stade Afali, te soutenir Moninga, ils ont m'abêté. Toi qui guérin lobby, que na même na Cameroun, artistes se soutiennent. Vous comprenez? Bazalana Lukunia na artiste Moussousouté. Biso Lelo a un mot qui commence à soutenir artiste Moussousouté. Comme sans esprit, Yuma. Et Nanandimi Angonion Soana, c'est rien. Ça m'apporte que du bonheur. Que du bonheur. Voilà. Alors, Soso, comment ça se passe déjà chez vous quand une flèche est en train de monter, quand une gloire sort? Alors, comment ça se passe? Ce truc de jalousie, truc de camp et tout? Alors, ce que je veux dire, c'est que j'ai été, avant, quand je soutenais Fali hors réseaux sociaux, yes, je n'avais pas connaissance de ce qu'on peut appeler des détracteurs. Non, okay. Moi, c'est derrière Fali que j'ai découvert. Et mes premiers mois sur Instagram, et à chaque fois, j'appelais Patine Saraza, à qui j'ai fait un coucou, mon grand frère. Je l'appelais à chaque fois et je lui dis, on l'a encore insulté beaucoup et puis je suis en larmes. Il me dit, le temps que tu vas passer ici, ça va te forger le mental. Les Congolais sont comme ça. Et je lui ai dit, chez nous, on ne connaît pas ça. Et je voulais en venir là. Chez nous, on ne connaît pas les adversaires dans la musique. Les détracteurs. On ne connaît pas ça. C'est pour ça que j'ai été profondément choquée. Mes frères sont là. Ils peuvent vous dire que nous, on ne connaît pas. Les acharnements gratuits. Il fallait que j'ai vu que ça peut exister, que les propres frères soient autant en train de lui lancer des flèches. Et vraiment, même pour rien. Ça m'a fortement choquée et c'est triste. C'est triste. Hein. C'est triste. Parce que je ne sais pas si dans d'autres pays, je n'ai d'ailleurs jamais vu, si je le dis de façon honnête, chez nous déjà non. En Côte d'Ivoire, je ne pense pas. On a le feu Didier Arafat qui souvent faisait des clashs juste pour taquiner ses collègues, mais ça n'allait pas aussi loin que ce que je vois en RDC. Puis c'est triste et je le dis là devant caméra, celui qu'on appelle Fali Poupa, c'est un homme en or. Vous avez un trésor et vous devez l'apprécier à sa juste valeur. Parce que si vous ne le faites pas, même si le monde extérieur le fait, ça n'a pas la même portée que vous qui l'avez vu naître. Vous pouvez lui apporter ce soutien. Donc, il faut laisser les guéguerres inutiles parce que le monsieur vous représente valablement. Je dis aujourd'hui, je ne peux pas tenir une conversation entière en Lingala, mais je comprends parfaitement. C'est parce que j'écoutais Fali, je suivais Fali. Alors, s'il peut exporter votre culture, votre langue, vous devez le reconnaître à sa juste valeur. Astrid Yende Yendeba, Astrid Toyo Kassonio. Attends, on obite si comment comprendre si timbe la jalousie. Voilà. Pour le moment, comprendre. Il y a Instagram, il y a des réseaux sociaux. Il y a des charnes à Fali Poupa. Gratuitement, on va insulter gratuitement. Mais drôle que chez eux, ça ne se passe pas autant. Boité. Hein, c'est Mama Yassi. C'est Mama Yassi, Moté, Maya Jansi, Maya Si Forza Italia. Donc, nous poursuivons dans cette émission et nous vous rappelons, nous vous confirmons que ce stade, Naébité, a retourné, Gatouzo. De la façon dont tu vois, ce stade sera bel et bien retourné. Le stade est déjà retourné. quand je venais au Congo, j'ai vu une forte délégation. Donc, quand je vous ai écouté dire 39 Camerounais, yes, j'ai eu un peu froid dans le dos parce que la réalité est irréelle.
Donc, il y a eu une délégation de plus de 500 Camerounais. Okay. Et c'est sans exagération. Okay. Plus de 500 Camerounais ont fait le déplacement. Mm. Ce que je connais, ce que j'ai vu, après les Camerounais du monde entier, je ne sais pas. Mais je suis sûr que les Camerounais ici présents nagent dans les, naviguent dans les 2500. Mm. Je suis sûr. Et déjà, les retournements sont confirmés. Déjà. Déjà confirmé. Alors, mignon, tu es sur la carte de tout qui est débrouillé. Ouais, ouais. Ceux qui l'obtiennent au monde, peut-être dans le podium, tu es. Est-ce qu'ils ont la cause au panne? Problème, tu es. Tu es plutôt sur la peine en dingue, parce que, bah, bon, on a sali des missions Bélé pour la stade. Au moins, tout le monde est dans le podium. Parce que ma baisse, il y a un Congolais. Pour le panne, deux, on dit, non? Non, ma baisse, il y a un Congolais. Il y a un Congolais. Au moins, ma soeur, Nabiso. Celle qu'elle vient de dire là. Donc c'est vraiment honte, c'est vraiment triste de voir qu'un Congolais s'attaque à un Congolais. Mm-hmm. Et puis vous êtes des artistes. Et puis il y a d'autres, artistes étaient s'acharnés dans Baninga gratuitement. Gratuitement. Vous comprenez? Yes. Alors Lélo, dans la vie, il faut avoir sens moko. Il y a bien. Donc, Baloba, connais-toi toi-même. L'homme à la recherche de ses propres limites se connaîtra lui-même, mais lorsqu'il comptera toutes choses. Baloba, qui a une côte morale. Le coup, on a un ami. On a forgé les Congolais, artistes et Congolais qui. C'est un mot étrange. Qu'un artiste soutient un autre artiste. Alors. Lobby petoko salango pona muninga mususu. Vous comprenez? Bayo ke lango sonité. Nazana d'abord, je suis dans un fan d'abord. Il y a musique congolaise. Et puis fan, il y a la personne Fally Ipupa en tant qu'artiste musicien, fan de ses chansons. Et pourquoi pas Fally Ipupa dans le stade Nanayati? Nakoya d'abord le coup là, fan. OK. Comprendre? Mais ce qui et ça li que nazala na podium et ça bénéfique pour nanga. On va me voir de partout dans le monde en plus. Parce que Fally Ipupa, la seule personne aussi, il était vivant. Il allait chanter avec lui, c'est Michael Jackson. Oh, mignon. Ça, c'est aller loin. Mais je t'ai dit. Ça, c'est exagéré. Pourquoi? Parce que la seule artiste musicien, Oyo, aïe l'Arabie, c'est américain, camerounais. Bah, ivoirien et les lobbies sont comme le cato ça la pétanque ce mois featuring n'a camerounais n'a ivoirien. Alors il est le guide, il est le guide. Moto Alexandria Baza toujours Simanae. Vous comprenez? Et puis moto et les bisous disque d'or certifié. Ce que tu as bêté les mambo côté pourquoi ce n'a bêté le moutabon mambo quand des bails babou manga n'a pas qui soit barou manga basse à la basse moté qui vient me couper la tête pour lui voir. Voilà, donc à partir de 10h, soyez nombreux au stade de Martyrs. Les Warriors se sont décidés, même s'il va pleuvoir, ils seront là. C'est bel et bien ça. C'est bel et bien ça. On n'a pas fait 3000 km pour résister face à la neige. Même s'il neige, on sera au stade. Fally Ipupa le mérite amplement. Et je voulais compléter les propos de ce soir en disant que moi, ce qui me fait suivre ce monsieur depuis 16 ans, c'est sa force de caractère. Il a un mental solide comme je n'ai jamais vu. Et je m'en inspire tous les jours dans mon propre quotidien. Parce que je vous assure, avoir autant de détracteurs, de personnes qui vous... Mais continuer à faire des prouesses, réaliser les exploits qu'il réalise. Fally, je me rappelle, je l'ai suivi toute sa carrière. Au début, quand il passait mal à l'interview, ce n'était pas le Fally mûr d'aujourd'hui. Donc il a pris le temps d'apprendre. Il apprend beaucoup. Que ce soit dans sa communication, dans son professionnalisme. Je vous dis une petite histoire qui m'a marqué seulement depuis 3 jours. Si. Partant du Cameroun pour ici, je suis pas passé à l'ambassade du Congo. C'est l'équipe du conseil de Fally qui m'a délivré un visa. Yes. Je suis arrivé avec à Kinshasa, j'ai payé un visa à l'aéroport. Il y avait une équipe qui m'attendait à l'aéroport, qui m'a transporté jusqu'à mon hôtel. Tout ça parce que Fally se rassure que ses invités, les gens qui viennent pour lui, soient dans de bonnes conditions. Tout à fait. Vraiment, chers Congolais, pour ça, vous n'avez qu'à saluer le professionnalisme d'un des vôtres. Le stade de Martyrs que je suis en train de voir s'apprêter. Je ne sais pas, je ne suis pas encore venu au Congo, mais je ne crois pas qu'on ait fait ça. Donc, vous pouvez ne pas l'aimer, mais apprécier le travail, s'il vous plaît. Et aidez-nous, nous, Camerounais et Ivoiriens et Africains, à porter ce monsieur qui fait un travail qu'on voyait seulement avant chez les Américains, chez les Européens, aujourd'hui en Afrique. Et aidez-nous vraiment tous à rendre l'Afrique aussi grande. On veut rendre l'Afrique grande, mais on ne veut pas copier les bons exemples. Fally est un bon exemple aujourd'hui.
Et là, je crois que les Camerounais qui viennent ici aujourd'hui, les Ivoiriens vous le montrent. Moi, je suis au Cameroun. Les stars de chez nous n'ont jamais fait un concert. Je vois autant de personnes se déplacer, jamais. Mm-hmm. Donc vraiment, merci Fally. Ah, okay. Nous te suivons parce que tu fais aussi beaucoup de bien. Qu'on écoute sa musique, qu'on est apaisé. Apaisé. Donc demain, retournement, 100%. Alors Anna, s'il te plaît, sans toutefois te couper. Si. Je crois que Fally, c'est un grand prêtre-maître. C'est un prédicateur. Dans Original, il a dit, je ne suis pas encore le meilleur, mais le prochain sur la liste. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, Fally Ipupa est le meilleur. Et le premier sur la liste. Tocos. Venant des Camerounais, mais ça c'est fort. Oui, maman, robot. Mathieu Kimboga na bango baye Kinshasa kaka pona Roland artiste Fally Ipupa et avec âme bazolo bango que balingi artiste na bango même artiste na bango ba comme un niveau Fally à comité. Il faut le reconnaître même si vous ne l'aimez pas. Mais bon dit ma quand même Moussala ya Moutou, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, lequel de ces chansons que vous aimeriez demain écouter? Toi qui est a cappella. Soso, tu peux entonner, hein? Ah, toi qui est nango. Toi, c'est ça, Chikomondé les Jaco. Gougou, c'est Pondo et Pondo, bah Gougou, c'est. Prince Ngalié, c'est l'homme parmi les hommes. Excelsior. Fiston, votre choix, y'a c'est pela, quoi. Toi qui est nango. Astrid Yenda Yoka. Belelena. Et quelle chanson? Artiste, mais moi, je suis en train de me dire, Fally, pour le micro, ça. Mon problème, c'est que, Bango, Bazana. Balinga Fally depuis 2006. Non. Voilà. Ce n'est pas que dans Tokos qu'ils ont commencé à se faire Fally. C'est depuis 2006. Hein. Les chansons de Fally, voilà. Les rumba, là, des 9-8 minutes, là. Vous voyez bien, voilà. Oui. Si, c'est ça que vous aimez. Alors, Toké Nango, moi, rumba, mon robot, vous ça va faire plaisir à Fally Ipupa, à lui-même Fally Ipupa. Bon, c'est vrai qu'on aimerait écouter toutes les chansons. Malheureusement, il faudrait une semaine pour ça, pour qu'il fallait chanter tout. Donc moi, particulièrement, ce que je vais écouter, c'est la plus récente là, elle me plaît beaucoup, Seyo. Seyo. Ouais, j'ai envie de voir ça en live, parce que c'est la seule chanson de Fally où je ne l'ai pas encore vue en live. Fais ça sur ta morceau. Ouais, et je l'aime beaucoup en live. Fais ça sur ton morceau. Il aime la vie son morceau. Vous avez un cours aux autres, maman Ngala. Nazala qui éprouvé, Kassina Mote Mateo, Kuna Bazo et la papa Ngana Mote Madens Love. Voilà, alors après, le micro n'a pas aimé la biseau. Djersingi Mikinkela, vous comprenez qu'il y a un bon Fally, président national de RJP et Asbel. Djersingi Mikinkela, donc à Tabolingi Fally, t'es pas ivoirien. Ils sont prêts. Il y a quoi arracher, mais Fally Ipupa. Alors, Soso Ipupa, ça. Un morceau. La vie nanga, nakanga motemati. Mais pourquoi oso salanga ma paix? Yo lati sanga gilet par balle ya pirate. En kayali, ça c'est déception nabikate. Et bembe nanga, gloire anani loba. Malheur nanga, bonheur anani teo. Mote maya moto, litanga maiteo, bolo konga inaza, gata potia sotia kula beton, te o file, yeye. Ah, bravo! Douglas Pichirio de Tembe, Pichirio de Tembe. Nana Quadra Warrior, yoki. Te yo, on s'en remie ke bango. Alors, te yo kape gatouzo. Ah, c'est peut-être ça. Gucci de Bruxelles qui séjourne depuis hier à Kinshasa. Gucci de Bruxelles à Yoka Sepe. La Tata Flomangena, merci pour le parfum. Merci pour le cadeau. En tout cas, tu es au capé Gucci Sepe. Gatsuzo. Avant de le faire, j'ai dit je le ferai. Depuis 2020, Fally a dit on fera le stade des matchs. On l'a fait. Avant de le faire, j'ai dit je le ferai. La magie est viendra. Et Sengo est allié. Ah, bravo. Très ému. Je suis très ému. Alors, ça me donne des frissons, hein. Quand c'est nos frères camerounais, Ndebazo Lingaye, Ndebazo Yembaboué, mais non, Fally Ipupa, sois heureux, hein. Sois heureux. Mobali Abafana, Mami Omo,
sois vraiment heureux parce que tu es aimé. Atambo kano batumu ke balinga te pete ko balinga bon pe falit. Sta do ne foto da balinga bon pe falit. Ka bino ba musicien de beauté mais la falit. Ka bino musicien nyon so ba. Ka bino de beauté mais la falit. Yo ka pembe yo ka pembe sko bandi. Mo ba musicien nyon so ba zo ki avion. Pembe o faire gagner la merveille linga. Avion voilà pembe faire gagner la merveille. Ya irait bon pe si bon séjour à Kin. Na vena nga fiston koloke. Na isa pa pembe. Na vena nga Edi Badiata. Moi, ma musicien Nyonso, ou a fouta qui billet, y a au côté avion pour aller à Kinshasa. Aïe, ka pour la fali. Oh, musicien tout. Musicien tout. Aïe, avant les 29. Aïe, avant les 29. Aïe, concert. Aïe, concert. Ben, non, non, ben, mot. Comprenez? Donc, non, bien, tu vas nommer ni bah ivoirien, bah camerounais. Ba nigérien ba imbara ba nzembo na ba yebi ba lingara e so biso sikonde lokwa ba bito diembela tout s'accrocher to diembela fali pour papo yaza aigle pour to kinde ficolo mais en les attendre comme ça ils ali kambasonité il y a pas honte ko diembela fali en fait donc c'est à dire que suivre fali voilà. Être le petit à fali être voilà. L'ami à fali si tu es son collègue ils a honte il y a voilà. Pas honte. Il n'y a pas honte. Donc les gens m'insultent pour ça. Alors. Parce qu'ils ne comprennent pas. Voilà, parce que Bango Ban a fali. Parce que Yopé Luka fali na yo. Toi, Bango Kara Soni a pour approcher fali alors. Voilà. Or que. Mais, Moni fali pour pas aigle. Merci, grand frère Big Up à toi. Il a la considération à des gens. Comprendre, hein? Au sentir que. Namusika via sentir que petit nae a sali marche pour nae. A zanayo ou y aye ou zanaye yepe a zanayo ou zomon a moto a rande bongo comprenez moto a rande bongo donc pour moi pour ne pas beaucoup parler j'invite les mamans toutes les mamans du Congo tous les papas du Congo envoyez vos enfants bah non bah son bah billet achetez vos billets pour je pense que et comme coûte et si il coûte déjà donc il est déjà dans bas point de vente ou etikali bozoyango botinda banapo donc mutauti de loin ya Cameroun aye à Bangité et pourquoi pas toi qui es ici au Congo et puis à Kinshasa là où il y a les stades des martyrs venez nombreux vous la sécurité est assurée très assurée très assurée il y a la police il y a de vivre dans la bouboule yonde la PCM Mobunga bouboule yonde la Likondi protège pour via benin a déjà un système kanka un système vous comprenez hein? Alors Fali a eu à prendre 4 jours yes. Rien que pour les installations il y a un podium na yewana et nous on est à frais voilà. Il a ramené 3 caméramen étrangers voilà. Il est avec Aimé qui est un français. Oh, depuis la nuit des temps, hein, il est tout le temps avec Fali, c'est lui qui fait son son. Autant, donc, Fali est en train de miser pour na. Qu'est-ce qu'il veut en fait? Azo il m'a déjà bien battu au yoko, battu au sombaï. Mazo il garde net, il dépense, dépense. Non, au moni moto oyo. Alors bah qui a outa qui na bandal, hein? Et si ka oyo, yo kanze moana bien. Et lilo a commis Fali poupa. Et puis Azo Abi a acheté les mitazo kindi. Ana posate batu oyo bayebi Fali ipupa ya kala. Ba mona image moko ya kitoko te na stade des martyrs. C'est-à-dire aye ko kabela batu Fali à 2500. Zo comprendre, a kabela batu. Et puis koutou a dépensé pour na ko pesa biso concert, c'est pratiquement gratuit 2500 francs. Donc à Sali Bongo pour à Sepelisa, Congolais, à Sepelisa, Africain. Demain, c'est la fête africaine. Et à Zobeta Stade, premier stade, où il y a pelouse, il y a vraiment couvert. Voilà. Je pense que nous, tout le monde a pelouse, il y a couverte ici au Congo. Donc, c'est la première fois. Tout le monde a pelouse, il y a couvert. Donc, Batoubaya et Bélé, et merci beaucoup, na Aigle Fali Poupa, Nenge. À la Kisikalingi, ba Congolais, na ba o ba linga kete, ya linga rabango, na ba artiste et musicien o ba linga kete, na biso ba o to linga rae.
Voilà, l'exhibition bowling, on est par là. Voilà, j'ai eu à m'entretenir avec Aminata, Aminata, la Congolia, voilà, clin d'œil à toi, qui m'a dit, mais non, tantine, tu vois, la ceinture des Faliers, très sympa. Déjà, je me promène avec l'honorable Zachary Bababassoué, qui n'est pas du tout musicien, mais un vieux de Fali, poupa. Mais tantine Nana avec vous, c'est vraiment la bonne ambiance avec Papa Eddy, avec Tonton Fiston, avec Soulé. Donc, Fali Poupa se comporte vraiment, quelque part, il s'est fait petit, hein, quelque part, si on peut le dire. Expliquez-nous, parce qu'en Cameroun, là-bas, vous vous retrouvez deux fois ensemble. Oui. Deux fois, il s'est fait petit, il n'a pas les gros dos. Pas du tout. Pour moi, particulièrement, j'ai vécu une situation qui m'a beaucoup marquée avec lui. Okay. J'ai commencé à chanter sur sur Instagram, yes, ces chansons. Je fais des vidéos tous les jours, je chante sur TikTok et tout. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, ses proches sont très, très, très accessibles. Mm-hmm. Et l'un de ses proches tombe sur une vidéo et il discute avec moi. On apprend à se connaître. Et puis, dès qu'il a parlé à Fali une fois, je fais le déplacement de l'Allemagne pour venir le rencontrer, mm-hmm, personnellement. Puisque je dis, bon, tiens, on se connaît, mais à distance. Je veux aller au Cameroun pour son concert au Cameroun. C'est mon pays. Mmh. Je vais profiter pour voir mes proches aussi. Et je vais au concert pour le rencontrer, enfin. Et quand j'arrive au Cameroun, j'arrive au concert. J'arrive la veille, ce qui fait que je n'ai pas pu accéder à l'hôtel avant où il est logé. Mmh. Je demande à Manon. Manon dit, tu sais, comme aujourd'hui, il y a concert, viens direct au concert. Et comme ça, demain, posément, mmh, on te fait venir à l'hôtel pour le saluer personnellement. Okay. Et je suis au concert, Manon m'appelle de venir la saluer devant. J'arrive devant et lui, Fali, on ne s'était jamais vu. Mm-hmm. Mais il a vu mes vidéos tout le temps sur les réseaux sociaux et il se tourne du podium, il fait un bond, il se recule. Un peu pour dire, c'est elle, c'est pas elle. Mm-hmm. Dans le noir, puisque j'étais en bas, il était sur le podium. Et puis il dit, Soso Ipupa. Puis j'ai dit à Manon, il m'a reconnu. J'étais choquée. Je dis, il m'a reconnu, il dit, oui, c'est comme ça qu'il est, papa est comme ça. Yes. Si tu le soutiens, pour lui, ça le touche, et du coup, il te considère. Mm. Il est comme ça, il est tout simple. Je dis, mais on a des stars qui n'ont même pas le quart de son succès. Mm-hmm. Mais qui tu veux m'approcher, même pour demander la photo, mm-hmm, et puis quelqu'un te dit, seulement la manière de te regarder, à ta là, tu dis, hey, en tes réponses. Oui, je dis, mais comment une méga star, une star, mm, internationale, comment? Elle me dit, demain, quand tu vas le saluer, tu vas voir. Mm. Et j'arrive le lendemain, il dit, Soso, pourquoi tu as peur? Viens, Kobangate, viens. Et puis je viens, il dit, ça va? Assois-toi à côté de moi. J'ai failli m'évanouir. J'ai failli, mais il fallait dire, assois-toi. Il m'assoit, mais avec la peur. Il dit, vas-y, n'aie pas peur. Et c'était parti. Il est venu en Allemagne en juin. Je suis allée les retrouver dans la ville où il y avait concert. On a fait le concert ensemble. Et c'est devenu comme la famille, comme ça. D'accord, ok. Donc, vous le traitez de l'orgueilleux parce que Boye Biété, vous ne les connaissez pas. Bosse Koutoua en a noté. Et du coup, vous les traitez d'orgueilleux. Un orgueilleux. Alors, en attendant Soso parler, Tolobanine. Tolobapenza netinini. Hein? N'habite, hein? Bon, en fait, non, je vois place, n'habite. Je reste na place d'un journaliste. Mais quelquefois, ça fait très mal. Bosse Mouna Pende, parce que vous foncez, Moutouboué, vous vous dites, mais finalement, moi, n'a pas tout bon maillé. Hein? Et j'ai aimé une phrase que tu as dit, Fali Poupa, Baboma est trop, mais quel caractère, quel charisme. Il reste toujours la tête haute et aujourd'hui il garde sa place. Oh, Batouba, on pousse la tête, le bango, clairement. Alors, Aza champion, on dit que la champion, ça m'engage, tout le bien, on peut te poser la koufate, pour te boire qu'elle est fleur, quoi. Alors, je vais me séparer de vous, comme on a tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce qui est prévu pour la lobby? Toi, que Fali Poupa nous dit, nous avons vu la présence aujourd'hui de la charmante chanteuse Charlotte Dipanda, qui est venue soutenir son frère. Son frère africain, son frère Fali Poupa. Alors, comment ça peut se faire? C'est tout à fait, c'est juste normal. Hein. Moi, je m'attends à bien plus que ça. J'ai aperçu aussi Claude Makelele. Yes. Et je suis persuadé qu'il y a encore plein de surprises demain. Mm-hmm. Vous savez, les amoureux de la musique, et Charlotte Dipanda en est une, yes, c'est l'une des meilleures chanteuses du Cameroun. Mm. On ne peut que soutenir un artiste comme Fali Poupa parce qu'entre génie, ça se comprend. Mm-hmm. Et elle comprend le langage musical de Fali parce que c'est la bonne musique. Mm-hmm. Donc c'est normal qu'elle soit là. Exactement. Alors Soso,
Dernier message. Dernier message. Un dernier message demain. Demain, ouverture des ports 10h. Mais je sais que les Warriors, il y a d'autres qui vont même dormir au stade. Ah oui, donc, nous, on est prêts. Tout est prêt. Je le sais, venez. Les là-bas, ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. C'est incroyable. Oui, et concert demain, les gens sont là aujourd'hui. Mmh. Venez demain. N'ayez pas peur de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. N'écoutez pas. La sécurité est, c'est blindé. Très bien. C'est-à-dire, n'ayez pas peur. Si nous, on a fait des kilomètres, on n'a pas peur d'aller là-bas. Alors, c'est pas vous qui allez avoir vous qui peur. Êtes ici, en tout cas. Donc, allez, par amour pour Fali, demain, venons, faisons la fête ensemble. Et retournement. On écrit l'histoire. On écrit l'histoire à Bercy. Gattuso, on va la réécrire. Tu as les micros, Gattuso. Vous écrivez l'histoire avec votre artiste, Fali Poupa. Alors, dernier message. À tous les Warriors. Alors, à tous les Warriors, yes. J'ai envie de dire beauté. Et aussi, j'ai envie de dire au père des Warriors, vraiment, papa, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour le Congo. Merci pour tout ce que tu fais pour l'Afrique. Merci pour tout ce que tu fais pour le monde. Je crois que ce type de personne, c'est après 100 ans qu'on le reverra encore. Et j'ai envie d'appeler tous mes frères congolais à s'unir, à jeter le bâton et prendre la carotte. Et qu'on se retrouve au stade des matchs, qu'on puisse faire la fête. Parce que c'est une fête. Comme Fali le dit très souvent, il y aura la baille. À la baille, à la popo. Alors, Mignon Abraham, yes. Tu es au côté de la lobby? Oui, lobby. Lobby, so, il y a 5 personnes. C'est qu'il y a là, Aigle, Ngaï, Guérin, Soso et Stan. En tout cas, soyez 6e personne au Baksama et aux Ala, la reine de chez elle. Pémoïdi. Voilà. La reine de chez elle. Photocopine. Donc, lobby. À Tabatoubaye, 3 personnes. Il y aura les concerts. T'as 3 personnes. Mais, on est en train d'inviter tout le monde. Batoubaye à lobby. Parce que Lobaby, voilà moi, voilà, c'est un artiste qui est devenu le porte-parole. De son collègue. Voilà, et ça il n'a pas tout bien parce qu'être un porte-parole du pays là, tu manges bien, tu sais. Mais tu comprends, hein? Donc voilà, moi là, en tant qu'artiste du pays, j'invite tous mes fans. Les Warriors t'ont adopté, hein? Merci sérieux, beaucoup. Sérieux, j'ai plein de messages ici. Merci tous les Warriors. Poupes, les Warriors t'ont adopté. Merci les Warriors. J'invite tous les Warriors du monde en tant que le gouverneur de tous les Warriors du monde. Venez nombreux, Boyato Sepela, parce que l'obé est à fête. L'obé Barkomo na Ngawana, na Ozalawan. Na Stad. Na Ozalawan. Ok. Les parents, amenez vos enfants parce que la sécurité est vraiment blindée avec la police, Général Kasongo. Respect à vous. Boubou Lyon de la Mobunga, les comptes protègent. Respect à vous. Parce que, chez méchant, aux Alawana. Et, na Wenge. Na Monaika, Moussalo, la police, c'est ça qui, Boubou, c'est ça qui. Mais non, tu vas les laïter. C'est qu'on va multiplier les sous-sous de sécurité, ma case. C'est parce que quand il s'agit des Fali, il s'agit de la jeunesse aussi. Hein, c'est beaucoup plus les jeunes. Voilà. Les parents, les enfants qui seront là, à partir de 10h déjà, donc vous aurez accès au stade de Martyr, mais ne venez pas dormir ce soir, hein, pardon. La nuit, là, ne venez pas. En tout cas, vous allez troubler l'ordre public. Bon, yate. Parce que, bon, au Kangabino, arrêtez là. Bon, au Kangabino, ne venez pas dormir cette nuit, mais par contre, dans quelques heures, patientez. Si vous serez là à 6h du matin, ok, d'accord, on en accepte parce qu'à partir des 10h, vous aurez accès. Nana Quadra Warrior, gros bisous à toi. Tata Flo Mangenda, gros bisous. Ça a été un plaisir, fidèle téléspectateur, de savoir que vous étiez nombreux à nous suivre dans ces spéciales Stade Martyr avec Fali Poupa. Nous sommes là avec... Lève-nous, s'il vous plaît. Les Camerounais, nos frères africains, nos Camerounais qui aiment Fali Poupa, Mignon Abraham, qui soutient son aîné, son collègue, l'artiste Fali Poupa. Alors, ça va se passer demain au Stade de Martyr. Si vous voulez déguster quelque chose, parce que peut-être que vous aurez faim, n'hésitez pas de me chercher, moi, Nana, à l'entrée 10. Donc voilà, l'entrée 10, Nana Kiosk, Nana Morouana, Borouya, Borouya, Kitoko, Gucci de Bruxelles, et parmi nous, Gougou Sepondo, clin d'œil à toi, Didi Mvumbi, clin d'œil à toi, Honorable Séraphin Bongo, les tenants du titre, Honorable Séraphin Bongo, en tout cas, bien des bonnes choses. Alors, Tokutani Nabino, en rediffusion ce samedi à